Voilà les bêtes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Bon, ils étaient pas très nombreux, je pense qu'ils étaient une trentaine. Si ça faisait une magnifique bordure à droite, et ben voilà, et ben voilà. Et t'avais intérêt à être dans l'éventail, hein, parce que Mia, quand ça se mettait à rouler, oh, ça c'est pas gentil. Jérôme Coblin qui ferme la marche. On va attendre pour voir ce qu'il y a derrière, hein. Top, à moins 3 secondes pour moi. Voilà, avec 50 secondes environ, là j'ai 11 hommes. Donc 13 devant et 11 derrière. Je pense qu'il y a à peu près tout le monde, hein. On n'arrête pas de doubler, m'a dit. Éclair. Ah si, c'est pareil, il y a quelques tours où ça roulait très fort. Millard, quand tu étais dans la bordure, les autres sont là-bas. T'en prenais plein ta tronche, hein. Le tour d'après te fait gaffe à toi et te met devant. C'est dur. Très éhonce, mais ça va rincer encore, hein.
ça crie. M'a dit, elle a cassé. Bon, s'ils sont plus 13, c'est pas loin. Hein. Ça a volé. On volait de moineaux, il y en a partout. Ça, c'est le deuxième groupe des premières catégories. C'est cela qui sont 5. Bon, voilà le premier paquet des premières catégories. Avec Jérôme Mu, Grégory Arabe, Arnaud Duhamel, Jérôme Camblin. Top, ils sont passés environ à 5. Voilà. Petit groupe des poursuivants, mais qui est à près de 3 minutes. Donc ils vont rattraper les cadets et je ferai l'arrivée avec les cadets. Patricia qui a été pris en sandwich. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'était ma dizaine de tout à l'heure. J'espère que les cadets ne terminent pas maintenant parce qu'on s'y perd. Hein. Je vois pas de cadets. On va les rattraper. Et ben revoilà Déborah. T'as bien Kebdani qui est là-dedans, qui vient de faire signe. Saint-André. Les cadets sont là-bas. Voilà la voiture ouvreuse des premières, je pense, et je crois que j'ai entendu Italo grâce au vent qui leur donnait 4 tours.
fait de 11, en voilà 12. Non, mais il y a toutes les catégories là-dedans. Hein. C'est pas 12 bons. Première catégorie, ils sont plus que trois. Jérôme Comblain, Grégory Arabe et Charlie Dubois. Il leur reste trois tours. J'en ai deux derrière. Arnaud Duhamel derrière et un, je pense, un Lieu Saint-Amand. C'est ça, peut-être Dudu et Jérémy Pia. Ah, on est en chie. Deux belles bêtes, mesdames. Demandez le jarret, c'est la semaine du jarret. Et derrière, j'ai le reste de leur groupe. 1, 1. Je vais attendre pour voir qui c'est les deux derrière. De toute façon, je vais arriver à les doubler après. C'est des petits groupes. Hein. Jérôme U. Et un Turquie de moi que j'ai pas reconnu, j'ai honte. Faudrait que j'ai Italo en voiture, hein. Voilà, on a vu les trois premiers, là c'est les deux poursuivants. Et ici les deux encore. Derrière, il n'y a plus rien. Hein. Les trois premiers. Les deux poursuivants. Non.
C'est trop loin, hein? Deux tours, c'est bien ça. 43,1. Ils se sont regroupés. Ah, j'ai raté ça. Attaque de Dudu. Arnaud Duhamel. Ça n'a même pas été une attaque, il y avait 5 mètres et ils se sont regardés. T'y vas pas, j'y vais pas. Top. Jérôme vient de tourner là-bas derrière. Hmm.
Grégory Arabiva, Jérémy Piette à la limite, Jérôme Comblain aussi, Charlie, je pense pas. Je l'avais dit qu'il était au bout. Ah là, ça va peut-être être embêtant pour Dudu. Ils se sont groupés à trois. Donc tout de suite. Beau passage de relais. Dudu est là-bas et est parti avec Charlie. J'avais dit que Charlie me semblait bien. Je vais essayer de passer pour suivre la poursuite. Il va rentrer. Il crie après Arnaud. Attends-moi, à deux, on sera plus fort. Charlie est costaud, hein.
Derrière, c'est Grégory Arabe qui fait la chasse. Ah, c'est joli, hein? Ah, malheureusement, ils vont rattraper un groupe. Le dernier groupe, je pense. Ouh, ça se frotte! Comment ils s'aiment tous les deux! Voilà, ça va être propre. Bon, il n'y a pas de problème, ils les reverront plus, hein. Arrive à deux. Charlie est très costaud, hein. Bon, Arnaud a tellement un coup de pédale facile, qui n'a jamais l'air mal. Ça, c'est de la bagarre, hein. Putain, oh, je suis mort de chez moi. J'en reviens pas.